communion avec les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, avec les êtres vivants devant le trône, que s'élève la louange en l'honneur du roi de gloire, créateur du ciel et de la terre. Les bras sans tes bros, sagadablo, l'ikete te bro, santa kadada, l'ikarama sura la vie, l'iramama sans les bros, guide de dedo, santé que bro. La rama suta de poté la gauche à la rama de salade. Que de versant la base. Rima mama contre la base de soule. Rito robo fete. Rama au chabalé. Rete de démo si que tabla l'homme la masse. Rikata ma fonte de mots. Rama au tara. Rikata de la mamonce. Rile de mots. Achialand, la cité de l'exaucement. La vision est en marche. Shalom, shalom, shalom. Je suis avec Marie-Pascale Achia sur le site de Achialand, que nous avons appelé la cité de l'exaucement. Donc, ce site qui est plus ou moins déployé sur 7 hectares à peu près. Mais nous comptons par la grâce de Dieu dans les semaines qui viennent faire atteindre cette capacité à 10 hectares et dans les heures qui viennent, les travaux vont être faits sur cette plateforme-là pour accueillir dans un premier temps la reine de la liberté. Donc la reine de la liberté va être déplacée pour être posée ici sur tout ce terrain-là, qui est plus de 2 hectares jusqu'au fond là-bas. Mais là-bas, il y aura tout ce qui est toilette, il y aura tout ce qui est salle d'eau, il y aura tout ce qui est guéri, tout ce qui est bureau. Mais vous voyez comment cette plateforme est grande déjà. Et à côté, vous avez cette forêt également qui nous appartient. Que nous avons nettoyée. Voilà, qui va être dans le prolongement de la forêt des ossements pour aller crier à Dieu. Et ici, personne ne nous dérangera. On ne dérangera personne comme à Abidjan. Je crois que nous reculer et nous isoler à la montagne. Vous pouvez voir autour de vous, nous sommes vraiment sur une montagne. Vous pouvez voir, nous sommes en pleine forêt. L'air est pur à respirer. C'est un lieu où on peut crier à Dieu, comme les anciens prophètes le faisaient, en élevant la voix vers le Seigneur. Voilà, nous sommes dans un environnement assez pittoresque, un environnement assez beau. Et nous sommes sur une montagne. Tout à l'heure, quand nous sommes venus en voiture, nous sommes montés et c'est vraiment un lieu d'exaucement. Nous comptons votre contribution parce que dans les heures qui viennent, on va procéder
au déplacement de la Reine de la Liberté, hein, supervisée par la directrice des travaux, chef des travaux, madame la sœur Marie Pascal Achia, épouse bientôt. Alléluia. Donc c'est très très important. Et voici le lieu où la reine sera, vous tous que nous suivez. C'est pourquoi nous vous invitons, papa vous invite à nous aider à faire de ce lieu qui est chez nous, qui est chez vous. Et là, en ce lieu-là, vous allez comprendre que même les retraites faites, on peut même, comme on le fait toujours, si nous nourrissons les gens gratuitement, si nous soignons les gens gratuitement, si nous avons les infrastructures, nous pouvons même faire souvent des retraites gratuites. Mais actuellement, nous sommes obligés de louer des maisons, nous sommes obligés de mettre de la climatisation, de mettre tous les moyens qu'il faut. Et vous savez les prix que coûtent ces maisons dans les quartiers chers comme la 8e tranche, la 7e tranche, où les loyers sont exponentiels. Mais ici, je veux que toi qui me suis puisse dire à quelqu'un autour de toi, papa dit ici, là, c'est chez nous. Si on t'a même délogé de ta maison, tu peux venir prier ici pendant une semaine, le temps de te reloger. C'est vraiment notre maison. N'oublie pas, nous sommes la famille des peuples. Que Dieu vous bénisse. Dieu, vous voyez ici, tout le gazon a déjà pris partout, donc cette couverture verte sera sur toute la surface, hein, avec de beaux arbres, avec un beau paysage. Déjà un paysagiste est venu dessiner ce qu'il faut faire, hein, et je crois que ça sera quelque chose de, ça sera vraiment un lieu d'adoration pour Dieu, un lieu glorieux. Donc le gazon ici a déjà réussi, ça sera reproduit sur le terrain que nous avons montré. Et Dieu sera glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À terminer ce chantier à la gloire de Dieu. Nous comptons sur vous. Vous tous qui pouvez venir nous aider, prêtez main forte, vous tous qui avez des compétences, qui avez des talents, qui savez faire des choses, menuisiers, maçons, plombiers, électriciens et autres. Vous tous qui sentez que vous avez un appel à la vocation des dieux, des dévots de Dieu, je vous attends sur ce chantier-là pour nous aider, pour venir travailler avec nous. Peut-être aussi que vous n'avez pas ce talent, vous n'avez pas cette capacité, cette habilité à pouvoir faire ce type de travail, qui est un travail important, un travail exigeant, qui est un travail du bâtisseur, comme vous le voyez. Mais vous pouvez envoyer votre sac de ciment, votre chargement de gravier, votre chargement de sable. Tout cela glorifiera Dieu, nous aidera à pouvoir apporter cette maison pour vous accueillir et pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travail, et je vous attends. Nous sommes vraiment au cœur du travail. Nous sommes venus aujourd'hui, comme tu l'as dit, et nous soutenons surtout, nous sommes sur deux mois, c'est que là vous accueillez.
On va continuer le travail. Hein. Voilà, ça, ce sont les villas. Elle est du Père, vous accueillir avec vos familles, avec tous les gens de chez vous. Que vraiment Dieu vous bénisse. Nous sommes au chômage. Nous sommes au chômage. Alors, nous sommes dans le coulage du chômage haut. Bon, les frères et sœurs sont déjà à la tâche. Vous allez rejoindre pour essayer de travailler avec eux. Donc, travailler aussi pour ça. On a besoin de gravier, on a besoin de matériel de travail. Venez vous aider. Vous pouvez y contribuer dès à présent. Envoyez vos contributions sur le compte suivant. GT Banque Betsael International, numéro CI 16 301 20 20 00 00 01 90 89 175. Cette opération est possible par virement bancaire, dépôt chèque, dépôt espèce ou via World Remit. Vous pouvez procéder également par un transfert d'argent Western Union, MoneyGram, Wari ou par Mobile Money. Orange Money, plus 225 48 53 45 31. MTN Money, plus 225 46 31 12 20. Move Money, plus 225 02 32 81 45. Merci et que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Shalom, vaillant guerrier, vaillante guerrière de prière, guerrier ou pas guerrier, guerrier de prière. C'est l'heure de prendre possession de ce jour, c'est l'heure de dévancer l'aurore, de donner une orientation divine à ce jour. Likez ce moment, bien-aimé, invite quelqu'un à donner aussi une orientation prophétique à sa journée. Vous tous qui nous suivez en direct, vous tous qui suivez ce moment, réveillez tous ceux qui dorment encore, partagez ce moment. Et pendant que tu seras en train de partager ce moment, crois qu'une grâce t'est accordée en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant imposer la domination de Christ aux quatre points cardinaux du lieu où nous nous trouvons actuellement, du lieu où nous sommes pour faire cette prière, pour dévancer l'aurore. Bien-aimé, tu vas prendre ton sel béni, tu vas prendre ton eau bénie, ton eau prophétique. Et nous allons maintenant imposer la domination de Christ dans les quatre points cardinaux. Nous disons Jésus trois fois. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, lorsque tu as rencontré Moïse au buisson ardent, en Exode 3, verset 5, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu où tu l'as rencontré était saint. Lorsque tu t'es révélé par ton ange Michaël à Josué, en Josué 5, verset 15, tu lui as dit d'ôter ses sandales parce que le lieu était un lieu sanctifié. Père, le lieu où je commence ma prière ce matin, je le sanctifie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sanctifie les quatre points cardinaux et je jette du sel dans ces quatre points pour imposer dans ce lieu la domination de Dieu et des anges de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant faire le gloire au Père trois fois. Et nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons encore refaire pour honorer la très adorable Trinité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons nous adresser à la Sainte Famille. Chacun va s'adresser à son ange gardien. Et nous disons, Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Bien-aimés, nous allons maintenant parler à notre ange gardien. Nous allons parler à Saint Michel, à tous les saints, à nos saints patrons, au sein de notre église, au sein de notre ville de résidence, à tous les saints dont on fait la fête et on demande de nous assister dans tous nos besoins. Tu vas prendre ton eau bénite, bien-aimé, et nous prions en disant, « Mon Dieu, par cette eau prophétique et par le sang précieux de Jésus mon Sauveur, fais-moi miséricorde. Fais miséricorde également à tous mes parents. Fais miséricorde à tous ceux avec qui je vis. Fais miséricorde à toutes les âmes du purgatoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Nous allons rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, durant cette nuit, nous avons eu la grâce de nous réveiller. Nous avons eu la grâce de voir ce nouveau jour, de voir maintenant ce jour se lever. Nous avons eu la grâce d'avoir un sommeil paisible, d'être en bonne santé, nous allons rendre grâce. Et nous disons, bien-aimé, si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux et ensemble, nous allons rendre grâce à notre Seigneur. Nous prions. Mon Dieu, je t'adore, je te reconnais comme mon Créateur et mon Souverain Seigneur. Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir gardé cette nuit. Je t'offre mon repos, mon âme et toutes mes actions de cette journée. Accorde-moi la grâce que mes actions soient unies aux actions de Jésus-Christ et consacrées à ta gloire. Ce matin, je désire poser toutes mes actions selon tes sentiments et tes volontés. Je demande la grâce de vivre cette journée dans une plus grande sainteté que les journées passées. Et si je dois t'offenser volontairement, corrige-moi, Seigneur. Sainte Vierge Marie, ô maman, toi ma mère, obtiens-moi la grâce de vivre une journée de sainteté et donne-moi ta sainte bénédiction.
Saint Joseph, toi mon Père et le protecteur de mon âme, protège-moi. Mon ange gardien, Saint Michel, mes saints patrons et patronnes, et vous tous saints et saintes, dont toutes les églises catholiques, orthodoxes et romaines célèbrent aujourd'hui la mémoire. Secourez-moi dans tous mes besoins et priez pour moi afin que Dieu me garde de toute mort subite. Dieu me garde de tout accident. Dieu me garde de toute noyade, de tout feu et de tout péril. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons proclamer Daniel chapitre 4, verset 19. Nous allons le proclamer ensemble pour annuler tous les rêves démoniaques que nous avons eu à faire durant cette nuit. Daniel chapitre 4, verset 19. Et nous proclamons le verset ensemble. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Lève la main en signe d'autorité. Et nous prions Jésus trois fois. Jésus, 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 oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je prends autorité, Père, sur tous les mauvais rêves que j'ai eu à faire durant cette nuit. Ceux dont je ne m'en souviens pas, ceux dont je m'en souviens, Père, je les annule maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'ils sont nuls et de nul effet sur ma vie, sur la vie des membres de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, je détruis leur base. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, depuis le lever du jour, depuis notre réveil, nous avons sûrement offensé notre Dieu par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Romains chapitre 4, verset 7 nous dit « Heureux ceux dont les offenses ont été remises et les péchés effacés. » Bien-aimés, prions encore le Seigneur. « Mon Dieu, je me repens de tous mes manquements, même ceux commis pendant mon sommeil. » Les pensées érotiques et même les rêves érotiques que j'ai provoqués en lisant et regardant des films pornographiques. Pitié, miséricorde et sanctification de mes yeux, de mes pensées, Seigneur. J'ai négligé ma prière de ce matin quand mon réveil a sonné. Alors que je me suis précipitée pour répondre et pour lire mes messages dès le saut du lit, sans même penser à prier pour te dire merci pour ma vie que tu as préservée pendant mon sommeil, mais surtout pendant cette pandémie qui nous absorbe totalement. Mon Dieu, ce matin, je me repens sincèrement et je te supplie de ne point me rejeter, mon doux Seigneur. Mon ami fidèle, toi le secours des pécheurs, sauve-moi et accepte-moi à nouveau dans ta grande miséricorde. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons maintenant présenter chacune de nos intentions au Seigneur. Nous allons présenter les situations déclarées impossibles dans notre vie par les hommes, car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons maintenant présenter tous nos cas de célibat. Romains chapitre 8, verset 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Lève la main en signe d'autorité. Jésus trois fois, feu du Saint-Esprit trois fois. Jésus, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de ma louange, je sors par la foi de ma lignée naturelle. Je sors de mon ancien arbre généalogique et j'accepte d'être adopté par Dieu et d'entrer dans ma lignée céleste. Je ne suis plus concerné par les malédictions qui pèsent sur les membres de mon ancienne lignée. Je brise tout lien de captivité collective de ma famille naturelle et je révoque toute condamnation à demeurer dans le célibat. Selon qu'il est écrit,
qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, je lève tout veto spirituel placé sur ma vie sentimentale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Prions encore le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier pour tous nos couples en difficulté. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12 nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Lève la main en signe d'autorité. Feu du Saint-Esprit trois fois. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce point de prière, nous allons nous tourner vers notre maman, la Théotokos, la Vierge Marie. Prions le Seigneur. Oh maman, oh ma douce mère, intervenez avant que les mots et les gestes de haine ne dépassent la pensée de chacun d'entre nous. Avant que la rupture ne devienne irréversible. Avant que l'amour qui unit mon conjoint et moi ne soit englouti par les forces du mal et leurs suppôts. Oh maman, oh Théotokos, intervenez pour nous. Avant que le malin ne puisse se vanter d'une nouvelle victoire sur nous. Oh maman Marie, intercède pour chacun d'entre nous. Intercède pour mon conjoint, intercède pour moi. Que votre amour, votre douceur et votre compassion entre dans nos cœurs ravagés pour en éliminer la haine, la colère, le ressentiment et y installer pour toujours la tendresse et la compréhension, le respect de l'autre et y raviver l'amour qui ne doit jamais mourir. Je vous en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre Fils bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous allons maintenant présenter nos demandes d'enfantement. Psaume 128, verset 3 nous dit « Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta maison. » Prions encore le Seigneur. Bien-aimés, nous allons poser les mains sur notre ventre pour parler à notre ventre, pour commander le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit trois fois et nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je commande à tout poison spirituel introduit dans mon ventre à travers l'avortement de sortir avec tes racines. Au nom de Jésus, tu sors maintenant au nom de Jésus. Poison spirituel introduit dans mon ventre par la masturbation. Sors complètement au nom de Jésus. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Poison spirituel introduit dans mon ventre à travers un partenaire sexuel démoniaque. Tu sors complètement au nom de Jésus. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, fais ce point de prière avec agressivité. Poison spirituel introduit dans mon ventre à travers un mécanisme de contrôle à distance. Tu sors maintenant de mon organisme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tous vos dépôts sataniques sortent maintenant de mon corps. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, mêlé de souffle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons présenter toutes nos demandes d'emploi. Nous allons briser cet esprit de chômage dans nos vies. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Feu du Saint-Esprit trois fois. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je commande à vous forces maléfiques qui luttez contre ma vie. Je déclare que les droits qui vous donnaient le pouvoir d'opérer dans ma vie sont annulés par le sang de Jésus. Je retire mon nom maintenant et pour toujours de la liste des perdants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne que les portes des institutions de ce pays s'ouvrent à moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je vis à partir d'aujourd'hui
la manifestation de toutes les bénédictions rattachées à la résurrection du Seigneur Jésus. Je rachète ma vie sociale de toute forme d'oppression par le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, nous allons appeler la promotion dans nos vies. Depuis plusieurs années, nous sommes à la même place, la stagnation totale. Tout le monde évolue autour de nous, sauf nous. C'est la fin aujourd'hui. Daniel chapitre 2, verset 48 nous dit « Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. » Bien-aimés, on doit nous établir aujourd'hui en tant que chef suprême. Sang de Jésus trois fois. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, par ton feu, je commande à vous sorciers de mon village. Je déclare que vous êtes esclaves sur la base de la parole de Dieu. Dans Lamentations 5, versets 8 à 9, vous êtes mes inférieurs. Je domine sur vous, je règne sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez pas de droit légal, quel que soit votre pouvoir. Je déclare que vous êtes esclaves. Je commande maintenant que vous vous retirez. Je commande à vous qui bloquez ma promotion de quitter ma vie. Je vous chasse de ma vie. Je maudis vos œuvres. Je détruis votre pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous consume par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous allons présenter nos affaires au Seigneur. Deutéronome chapitre 28, verset 8 nous dit « L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bien-aimé, lève encore la main en signe d'autorité. Jésus trois fois. Jésus, Jésus, Jésus. Nous allons parler à la terre. Tu vas poser la main à la terre. Que la terre entende ta voix et relâche ta bénédiction. Prions le Seigneur. Terre, 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 entends le son de ma voix. Je t'ordonne de commencer à diriger les pieds de mes aides dans ma vie à partir de ce jour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans tout l'univers que la marque de la bénédiction financière repose sur ma vie à partir de ce jour par la puissance de l'Alliance dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je suis connecté à toutes les ressources nécessaires pour l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, amen. Prions encore le Seigneur. Bien-aimés, nous allons présenter nos finances au Seigneur. Le dévoreur ne cesse d'agir dans nos vies financières. Nous allons consumer ce dévoreur-là par le feu du Saint-Esprit. Proverbes chapitre 10, verset 22 nous dit « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Feu du Saint-Esprit trois fois et nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, je déclare le renversement de tous les murs de blocage de mes finances et le redressement de tous les endroits tortueux de ma vie financière. Je déclare que tous mes déserts financiers se transforme en source de bénédiction financière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis tout esprit d'infécondité dans ma vie et j'ordonne la guérison totale de toute zone de stérilité financière dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare en ce matin que mes finances sont restaurées, mes finances prospèrent, mes finances sont remplies de l'abondance de Dieu selon le dessein du Seigneur sur ma vie. Je déclare qu'avec toi, Seigneur, je suis comme un arbre planté près des cours d'eau et qui donne des fruits en son temps. Je prospère à tous égards et tout ce que j'accomplis réussit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Prions encore le Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas partager encore ce moment. Sûrement par ton partage, quelqu'un sera béni, quelqu'un entrera dans ton miracle. Quelqu'un recevra sa délivrance. Quelqu'un recevra son miracle. Alors partage ce moment.
Galates chapitre 3, versets 13 à 14 nous dit « Christ m'a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour moi, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Feu du Saint-Esprit trois fois. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je commande à toutes les forces démoniaques qui bloquent mon voyage d'être consumées par le feu du Saint-Esprit. Je vous commande, où que vous soyez consumés par le feu, que le feu vous dévore, que le feu du Saint-Esprit vous consume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, toi qui es en quête d'un papier, tu attends que ton document soit débloqué, soit légalisé. Tu attends la naturalisation, ton titre de séjour. Bien-aimé, écris-le en commentaire. Écris ton intention en commentaire. Proverbe 21, verset 1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Prions encore le Seigneur. Oh Dieu, Dieu de mon miracle, toute transaction satanique faite sur ma vie, depuis le sein de ma mère, que cette transaction soit anéantie par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toute bonne chose qu'ils ont volée dans ma vie, tous mes documents que l'ennemi a cachés depuis le sein de ma mère, soyez restaurés par le sang de Jésus. Que tout serpent des ténèbres qui a avalé mes documents, qui a avalé mes papiers, je te commande de les vomir maintenant. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je te calcine. Je commande que le feu te consume, que le feu te dévore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons maintenant appeler la délivrance dans notre vie. Jean 8, verset 36 nous dit « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Jésus trois fois et nous prions. Jésus, 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 oh Dieu, Dieu de ma délivrance, toi esprit de sorcellerie des foyers, sorcellerie atmosphérique, sorcellerie marine, sorcellerie territoriale, emprise de sorcellerie sur l'église qui œuvre contre ma vie. Écoute-moi bien. Prends feu et brûle ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous sorciers et sorcières, opérant contre ma vie, je vous ordonne de manger votre propre chair, de boire votre propre sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute technologie de sorcellerie assignée contre ma promotion, je vous commande de vous disperser par le feu, par le feu, par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à toute sorcellerie de Corée, de Dathan et d'Abiram, dans mes bénédictions, que toutes ces sorcelleries meurent par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimés, c'est l'heure de notre miracle, c'est l'heure de notre guérison. Malachie chapitre 3, verset 20 nous dit « Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie, comme des veaux aux sorties de l'état. » Bien-aimés, c'est l'heure de bondir de joie. C'est l'heure de bondir de nos chaises roulantes. C'est l'heure d'enlever les mille-lèvres. C'est l'heure d'enlever nos ceintures. C'est l'heure de bondir, de laisser, de jeter les béquilles. Prions encore le Seigneur. Jésus trois fois. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma guérison, je commande à toute montagne de maladie qui est dans mon corps, je commande au nom de Jésus de quitter mon corps, de quitter ma vie. Au nom de Jésus, je brise ton pouvoir, montagne de maladie. J'anéantis ta base dans ma vie. Au nom de Jésus, esprit de maladie, qui que vous soyez,
cancer, insuffisance rénale, sida, leucémie, drépanocytose, arthrose lombaire, arthrose cervicale, anémie, myopie, glaucome, maladie des nerfs, paralysie, trompe bouchée, kyste, fibrome, myome. Au nom de Jésus, je vous ordonne de quitter mon corps, de quitter ma vie. Au nom de Jésus, esprit de mort, tu quittes mon corps maintenant. Au nom de Jésus, tu libères mon corps. Au nom de Jésus, j'appelle la santé divine. Mon corps, je te commande maintenant d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Je te commande d'obéir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu fonctionnes parfaitement et en harmonie avec la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia, bien-aimés. Un grand événement aura lieu ce samedi. Nous irons tous à la Maca avec Abba Achiapakom Marie. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel de Abba Achiapakom Marie aux côtés qui étaient aux côtés des personnes de Gobelé, ces personnes démunies, ces personnes abandonnées. Vous avez répondu nombreux et encore une fois, nous lançons ce challenge. Et ce samedi, nous devons relever un grand défi, montrer que nous sommes des personnes d'amour, nous sommes des personnes de partage, nous sommes des personnes de paix. Bien-aimés, c'est pourquoi nous venons encore lancer cet appel. Si tu n'as pas encore réagi, même si tu l'as déjà fait, bien-aimé, tu peux encore venir avec ton don, ton sac de riz, ton huile, ton sucre, ton savon, ton lait. Et sache que ce que tu auras donné à l'autre, Dieu te le revoudra. Dieu saura te récompenser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez passer au centre d'excellence, déposer tous vos dons, 7 jours sur 7, à tout moment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous élève, que Dieu vous donne d'être positionné dans les lieux élevés, de siéger dans les lieux élevés. Amen, amen, amen. À Chialand, la cité de l'exaucement. La vision est en marche. Shalom, shalom, shalom. Je suis avec Marie-Pascale Achia sur le site de Achialand, que nous avons appelé la cité de l'exaucement. Donc, ce site qui est plus ou moins déployé sur 7 hectares à peu près. Mais nous comptons par la grâce de Dieu dans les semaines qui viennent faire atteindre cette capacité à 10 hectares et dans les heures qui viennent, les travaux vont être faits sur cette plateforme-là pour accueillir dans un premier temps la Reine de la Liberté. Donc la Reine de la Liberté va être déplacée pour être posée ici sur tout ce terrain-là qui fait plus de 2 hectares jusqu'au fond là-bas. Mais là-bas, il y aura tout ce qui est toilette, il y aura tout ce qui est salle d'eau, il y aura tout ce qui est guéri, tout ce qui est bureau. Mais vous voyez comment cette plateforme est grande déjà. Et à côté, vous avez cette forêt également qui nous appartient. Qui nous appartient, que nous avons nettoyé. Voilà, qui va être dans le prolongement de la forêt des ossements pour aller crier à Dieu. Et ici, personne ne nous dérangera. On ne dérangera personne comme à Abidjan. Je crois que nous reculer et nous isoler à la montagne, vous pouvez voir autour de vous, nous sommes vraiment sur une montagne, vous pouvez voir, nous sommes en pleine forêt, l'air est pur à respirer, c'est un lieu où on peut crier à Dieu comme les anciens prophètes le faisaient en élevant la voix vers le Seigneur. Voilà, nous sommes dans
un environnement assez pittoresque, un environnement assez beau. Et nous sommes sur une montagne. Tout à l'heure, quand nous sommes venus en voiture, nous sommes montés. Et c'est vraiment un lieu d'exaucement. Nous comptons votre contribution parce que dans les heures qui viennent, on va procéder au déplacement de la Reine de la Liberté, hein, supervisée par la directrice des travaux, chef des travaux, madame la sœur Marie-Pascale Agia, épouse bientôt. Alléluia. Donc c'est très très important. Et voici le lieu où la reine sera pour tous que nous suivez. C'est pourquoi nous vous invitons, votre papa vous invite à nous aider à faire de ce lieu qui est chez nous, qui est chez vous. Et là, en ce lieu-là, vous allez comprendre que même les retraites faites, on peut même, comme on le fait toujours, si nous nourrissons les gens gratuitement, si nous soignons les gens gratuitement, si nous avons les infrastructures, nous pouvons même faire souvent des retraites gratuites. Mais actuellement, nous sommes obligés de louer des maisons, nous sommes obligés de mettre de la climatisation, de mettre tous les moyens qu'il faut. Et vous savez les prix que coûtent ces maisons dans les quartiers chers comme la 8e tranche, la 7e tranche, où les loyers sont exponentiels. Mais ici, je veux que toi qui me suis puisse dire à quelqu'un autour de toi, papa dit ici, là, c'est chez nous. Si tu es, on t'a même délogé de ta maison, on peut venir prier ici pendant une semaine, le temps de te reloger. C'est vraiment notre maison. N'oublie pas, nous sommes la famille des peuples. Que Dieu vous bénisse. De Dieu, voyez ici, toutes les gazons ont déjà pris partout, donc cette couverture verte sera sur toute la surface, hein, avec de beaux arbres, avec un beau paysage. Déjà un paysagiste est venu dessiner ce qu'il faut faire, et je crois que ça sera quelque chose de ça sera vraiment un lieu d'adoration pour Dieu, un lieu glorieux. Donc le gazon ici a déjà réussi, ça sera reproduit sur le terrain que nous avons montré. Et Dieu sera glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avec tous nos frères et sœurs qui nous aident à terminer ce chantier à la gloire de Dieu. Nous comptons sur vous. Vous tous qui pouvez venir nous aider, prêter main forte, vous tous qui avez des compétences, qui avez des talents, qui savez faire des choses, menuisiers, maçons, plombiers, électriciens et autres. Vous tous qui sentez que vous avez un appel à la vocation d'aider Dieu, d'aider l'œuvre de Dieu. Je vous attends sur ce chantier-là pour nous aider, pour venir travailler avec nous. Peut-être aussi que vous n'avez pas ce talent, vous n'avez pas cette capacité, cette habilité à pouvoir faire ce type de travail, qui est un travail important, un travail exigeant, qui est un travail du bâtisseur, comme vous le voyez. Mais vous pouvez envoyer votre sac de ciment, votre chargement de gravier, votre chargement de sable. Tout cela glorifiera Dieu, nous aidera à pouvoir apporter cette maison pour vous accueillir et pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travail, je vous attends. Thank you.
Alors nous allons sur la gare pour continuer le travail. Voilà, ça ce sont les villas. Elle est du Père, vous accueillez avec vos familles, avec tous les gens de chez vous. Que vraiment Dieu vous bénisse. Nous sommes au chaînage. Nous sommes au chaînage. Alors nous sommes dans le coulage du chaînage haut. Bon, les frères et sœurs sont bien à la tâche. Vous allez rejoindre pour essayer de travailler avec eux. Donc nous travailler aussi pour vous. De gravier, on a besoin de matériel de travail. Vous êtes où? Vous pouvez y contribuer dès à présent. Envoyez vos contributions sur le compte suivant. GT Bank Betsael International, numéro CI 16 301 20 20 00 00 01 90 89 175. Cette opération est possible par virement bancaire, dépôt chèque, dépôt espèce ou via Road Remit. Vous pouvez procéder également par un transfert d'argent Western Union, MoneyGram, Wari ou par Mobile Money. Orange Money, plus 225 48 53
45 31 MTN Money plus 225 46 31 12 20 Move Money plus 225 02 32 81 45. Merci et que Dieu vous bénisse. Oh, oh. Let it go.